Bon mardi, mesdames et messieurs. Merci de vous joindre à nous. Après la plaidoirie de la couronne hier, le juge Guy de Blois donne des dernières instructions au jury avant qu'il soit séquestré. Louis-Philippe, le magistrat, a d'abord félicité les jurés. Exactement, Cindy. Le juge de Blois a rappelé là, que ce procès a été difficile à bien des égards et il a tenu à féliciter le jury là, pour sa patience, son écoute et sa ponctualité. Il a ensuite expliqué que les jurés doivent se fier à ce qui leur a été présenté en cours et non interpréter les faits ou fabriquer des hypothèses. Les citoyens choisis doivent se poser la question: est-ce que la couronne a pu prouver là, que Metalik est coupable de ce dont on l'accuse au-delà du doute raisonnable? Pour y parvenir, le jury aura droit de réécouter les audios entendus en cours, revoir les photos présentées par les témoins de la couronne ou même relire le verbatim du procès. Le juge de Blois a avoué que tout ce travail est difficile là, parce que les membres du jury seront complètement isolés de leur famille. De plus, ils ne pourront consulter quelque source médiatique que ce soit. Le juge a insisté sur le fait que leur décision ne doit pas être influencée par des sentiments ou de la sympathie. Ils devront donc travailler en équipe avec impartialité. Le magistrat a ajouté que le jury ne doit pas s'inquiéter de la peine qui pourrait être imposée à Brendan Metalik s'il est trouvé coupable. À ce sujet, l'issue du procès a deux options, coupable ou non coupable. Le juge a rappelé qu'au départ du procès, M. Metalik était considéré comme innocent et qu'il le demeure, sauf si la couronne a pu prouver hors de tout doute le contraire. Et le juge va poursuivre ses instructions en après-midi? Oui, tout à fait. Là, encore quelques minutes, a-t-il dit, là, après le dîner. En terminant, juste vous rappeler là, que Brendan Metalik était toujours absent de la salle de cours, couché dans sa cellule, enseveli sous les couvertures. L'accusé était tout de même connecté via visioconférence. Vous présenterez là, ce soir là, un résumé complet de cette journée en cours. Merci, Louis-Philippe. Je vous en prie. Au revoir. L'homme de Lestigouche qui avait déclenché une vaste opération policière en mai 2023 à Nouvelle doit maintenant répondre de ses actes. Timothée Condo a comparu pour la première fois hier au palais de justice de New Carlisle. Le chauffeur qui avait fui les policiers à haute vitesse avant de se terrer sur le chemin du village Allard fait face à des chefs d'accusation de conduite dangereuse et de fuite. Pourchassé par la police de Lestigouche et la Sûreté du Québec, le quinquagénaire qui roulait à bord d'un véhicule volé a été arrêté alors qu'il tentait de prendre la fuite dans un boisé. L'individu sera de retour devant le tribunal le 22 avril. À la suite des récentes sorties de la ministre Diane Leboutier en lien avec son plan de relance du secteur des pêches, l'ensemble des crevettiers sont catégoriques. La fin a sonné pour leur industrie en Gaspésie. Et Félix est du côté de Rivière-aux-Renards. Ben, les pêcheurs accusent en fait le gouvernement, Félix, de tuer l'industrie au profit des grandes entreprises de pêche de la Nouvelle-Écosse. En effet, les récentes annonces concernant la réouverture de la pêche au sébaste ne garantit pas la survie de l'industrie de la pêche au Québec. Dit-il, selon les pêcheurs, le 10 % des quotas qui leur est alloué revient littéralement à les laisser pour mort. Lorsqu'on leur demande quelle sera la situation du port de Rivière-aux-Renards, ils disent que la capitale des pêches au Québec sera un cimetière de bateaux d'ici 5 ans. Selon eux, l'industrie a mal été gérée depuis trop longtemps. Et encore une fois, ce sont les grosses corporations de la Nouvelle-Écosse qui sont les seules à profiter des annonces, alors que les pêcheurs n'en retirent que les miettes. Il a pourtant réitéré hier que la pêche au sébaste allait créer des emplois chez nous. C'est exactement ce que la ministre a déclaré hier, en effet. Mais selon les pêcheurs, cette affirmation est fausse et la mort de la pêche aux crevettes occasionnerait plutôt la perte de 500 emplois dans la région. Il stipule également que l'industrie québécoise ne possède aucune usine bateau-usine, pour la pêche au sébaste et que ce genre de chalutier inclut la transformation du produit à bord. Il demande à la ministre où se trouve la révolution de l'industrie de la pêche dans son plan de relance et il désire des réponses claires et chiffrées. En terminant, ils accusent le gouvernement fédéral de favoriser des intérêts personnels de membres du gouvernement au détriment de l'industrie gaspésienne. Réaction des pêcheurs dans un reportage complet au bulletin de ce soir. Merci Félix, à ce soir. Au revoir.
L'ex-mairesse de Chandler est à nouveau déboutée en cour. Louisette Langlois tentait de faire déclarer abusif le comportement de l'administration municipale et de faire rejeter la demande introductive d'instance. Une saga qui remonte à novembre 2019. Les deux parties s'accusent mutuellement de faire ralentir le processus. Mais de l'avis de la Cour supérieure, même si les deux parties ont leur tort, il n'y a pas motif à rejeter la demande. La juge a aussi rejeté la réclamation de 2 500 $ que voulait récupérer Louisette Langlois à titre de dommage. Le taux moyen de suicide est en légère baisse dans la région Gaspésie-les-Îles entre 2019 et 2022, après avoir été parmi les régions les plus touchées par ce fléau. La Gaspésie est aujourd'hui en 8e position avec un taux de 15,9 suicides par 100 000 habitants. Le portrait n'est pas rose pour autant. Selon les dernières données de l'Institut de la statistique du Québec, 11 personnes se sont suicidées en 2022 sur le territoire gaspésien, comparativement à 8 en 2021. Et l'an dernier, 365 personnes se sont présentées dans un centre hospitalier de la région après avoir eu des idées suicidaires. Yep. Offrez une carte cadeau de l'Hôtel Universel, de Univers Panordique et du Boréal Univers Gourmand. La qualité de vie de nos communautés est intimement liée à l'implication de ses concitoyens. Devant la croissance des besoins actuels, notre collectivité régionale a davantage besoin de partage et de soutien financier. La philanthropie est à la portée de tous et de nombreux outils existent afin de faciliter des gestes d'entraide et de donation, sans nuire à votre patrimoine financier. La Fondation communautaire Bas-Saint-Laurent-Gaspésie-les-Îles, en collaboration avec Centraide Gaspésie-les-Îles, sont heureux de vous inviter à des séminaires sur la philanthropie qui se tiendront en avril et mai 2024. Comment tu t'appelles? Ah, yes, c'est pas un jeu pour nous, OK? Tu caches-tu que, genre, on est malade pour vrai, nous autres? On m'a appris quelque chose de vraiment poche. C'est-tu vrai? Est-ce que t'as besoin d'un câlin? Il y a quelque chose qui va pas. Ne manquez pas les bracelets rouges, ce soir 20h, à TVA et sur TVA+. Tu rêves de projets plus grands que nature, te surpasser et amener ta carrière au plus haut niveau. Soucis industriels t'invite à relever le défi. Soudeur ou mécanicien industriel expérimenté, où que tu sois, passe à l'action et découvre tous les avantages sur soucisindustriels.com. Villégiature de Rivière est l'endroit idéal pour la tranquillité en famille et pour les gens d'affaires. Longeant la rivière Tracadie et à moins de 2 minutes du centre-ville, plusieurs activités et services s'offrent à vous. Nous avons un centre de congrès, 40 chalets confortables, 24 chambres d'hôtel, ainsi qu'un bar-lounge qui accueille des musiciens régulièrement. Contactez-nous pour réserver votre séjour inoubliable au Villégiature de Rivière. Une invitation à la détente et au plaisir de la vie. Les psys et les avocats, on gagne notre vie de la même manière, en profitant du malheur des autres. Ta dépression et ton divorce, c'est notre piscine creusée. Je vais me faire mordre dans mon chat. Est-ce que vous faites ça du décryptage de chat? On a un chien qui a demandé un changement de sexe. Hein? Un ouf pour mâle, puis deux ouf pour femelle. Il n'y a pas de meurtre s'il n'y a pas de cadavre. Oh. Ne manquez pas Le Bonheur, mercredi 21h30. À TVA et sur TVA+. Une présentation des restaurants Toujours Mike's. Grande liquidation chez Wilbrod Bélanger et fils. Obtenez 3 ans de garantie gratuite sur toutes les motoneiges usagées de moins de 5 ans en inventaire. Ou encore 5 ans de garantie gratuite sur notre inventaire de motoneiges neuves d'année antérieure. Sans oublier certains rabais allant jusqu'à 3 000 $. À vous d'en profiter dès maintenant. Avec Wilbrod Bélanger et fils, passez l'hiver avec esprit tranquille. Avec une motoneige neuve ou usagée garantie pendant plusieurs années. Informez-vous au wilbrodbélanger.com ou au 418-395-2115. Inès, je te présente ma fille, Karine. Allô? Mais tu t'es fait prendre à mentir, puis là, tu vas te retrouver en dedans. Qu'est-ce qui s'est passé quand t'es allé la voir? Indéfendable, du lundi au jeudi, 19h. Présenté par Albi le Géant, J.C. Perrault et les restaurants au Vieux-du-Luc. Cinq femmes de la baie des Chaleurs mordues de motoneige ont choisi de mettre leur passion au profit de la santé. Les démons de la baie ont déjà amassé plus de 10 000 $ pour la Fondation du cancer du sein Louis de l'Est et le service d'oncologie de l'hôpital de Maria. Patrick Giguère les a rencontrés. Un peu, ils savent. Les vrais démons, non?
haïssables peut-être, mais elles ont le cœur sur la main. Il est très gentil. Okay. Un grand cœur. Un grand cœur. On donne beaucoup. C'est à l'été 2022 que Joanne Boudreau s'est empressée d'accepter l'invitation de son amie Nathalie pour former les Démons de la baie, cinq femmes passionnées de motoneige qui ont choisi de rouler pour la cause du cancer. D'autres, on est des filles qui profitent de la vie au maximum, puis il y en a qui ne sont pas capables de le faire. Fait que pourquoi pas utiliser notre passion pour redonner aux autres qui en ont besoin. Bien, parce que c'est une cause qui tient tout le monde à cœur, puis il n'y a personne qui est à l'abri. Leur première initiative a été une randonnée et un souper-spectacle en mars 2023. Un peu plus de 10 800 $ ont été amassés. C'était mis comme objectif un montant de 5 000 $. Puis je peux te confirmer qu'on avait très peur de ne pas atteindre notre objectif. Et finalement, mais on a doublé. Une partie de ces sommes a été remise à la Fondation du cancer de l'Est du Québec, l'autre au département d'oncologie de l'hôpital de Maria pour faire l'achat de jaquettes médicales. En fait, oui, c'est un besoin, parce que quand une femme va passer une mammographie, elle a la poitrine complètement à l'air. Les nouvelles jaquettes qu'ils ont maintenant, c'est un sein à la fois. Donc, on a un sein qui est caché et l'autre sein qui est pour faire la mammographie. Donc, je trouve que c'est un peu plus respectueux pour les femmes. Cette année, celles qui mordent dans la vie se sont fixées comme objectif d'amasser 10 000 $. Un rassemblement de motoneige a eu lieu la fin de semaine dernière et aura permis à lui seul de récolter plus de la moitié de leur objectif. Avec l'aide de plusieurs bénévoles, on a sollicité toutes les compagnies de la baie des Chaleurs pour avoir des dons, pour avoir des commandites, des cadeaux à faire tirer. Puis ça a vraiment fonctionné, tout le monde a embarqué. Bien, on espère que ça va continuer de grossir encore parce qu'on a des projets plein la tête. Et le montant final récolté cette année par les cinq démons sera dévoilé à l'occasion d'un souper michoui le 2 mars prochain, ici même au club de motoneige de Carleton-sur-Mer. Patrick Giguère, CHU TVA, Carleton-sur-Mer. L'artiste Annie Morette a développé un circuit extérieur où seront exposées plusieurs de ses sculptures. Elle s'inspire de la beauté des îles de la Madeleine pour créer. Et bien que la peinture soit au cœur de sa pratique, elle se plaît à explorer de multiples disciplines. Les prochains mois seront chargés pour Annie Morin, qui s'apprête aussi à offrir une série d'ateliers de création. J'ai des ateliers d'encre de Chine là, qui s'en viennent, là, ben, un la semaine prochaine, un autre dans deux semaines. J'ai ma session de cours de peinture qui débute dans un mois. Je suis présentement en train de travailler aussi sur un projet d'art en jardin. Donc, je suis en train de mettre plusieurs de mes pièces, des sculptures assez grosses sur mon terrain, travailler sur un parcours aussi là, d'art en nature. Le Titan d'Acadie-Bathurst a fait un bon classement général grâce à deux victoires au cours des derniers jours. Vendredi, Acadie-Bathurst a vaincu St. John grâce à une poussée de 3 buts en troisième période. L'ailier gauche, Colby Hogan, a été nommé la première étoile de la rencontre avec une récolte de 2 buts et 2 aides. Samedi, le Titan poursuivit sur sa belle lancée en remportant la victoire au compte de 7-5 contre Moncton. Et cette fois, c'est Milo Rollins qui s'est illustré, marquant une fois en plus d'amasser 3 passes. Les 2 victoires permettent aux Titans de se hisser au 6e rang de l'association Est, tout juste derrière Rimouski. Et les Tigres de Campbellton disputaient aussi 2 matchs au cours de la fin de semaine dans la Ligue junior des Maritimes. Les joueurs de Charles Leblanc ont d'abord remporté la victoire 3-1 à domicile vendredi. Ils recevaient Fredericton. Deacon Randall Snow a été l'étoile des Tigres, repoussant 36 des 37 tirs dirigés vers lui. Et puis dimanche, l'équipe a été écrasée 7-4 alors qu'il rendait visite aux Steamers de West Kent. Offrez le cadeau d'une vie unique et personnalisée à la bijouterie Brigitte de Grande-Rivière. Bien, Francis, parlez-nous un peu là, de la neige et des forts vents qui ont touché les îles de la Madeleine. Bien oui, Cindy, la forte dépression là, qui a balayé les Maritimes avec la neige abondante et aussi des rafales là, allant jusqu'à 80 km/h a eu des impacts aux îles. Ça a causé bien des soucis aux gens, on le voit là, sur les images. Ça va de moteur enseveli de neige à la fermeture forcée de commerces et institutions. Ça a inspiré même une caricature là, d'une artiste de la région. Bien, on vient aussi bon, d'avoir les données d'Environnement Canada là, concernant cette accumulation. On parle de 25 à 30 cm. Donc, il y a risque de bruine verglaçante aux îles, également sur la péninsule acadienne aujourd'hui. Mais le patron météo là, prévoit un dégagement cet après-midi. On devrait retrouver un peu de lumière. En Gaspésie, bien, c'est la récompense. Après la petite bordée, là, on retrouve le soleil. Un front chaud aussi va adoucir les températures qui sont exceptionnellement douces aujourd'hui hein, pour un mois de février. Ça va de 0 et jusqu'à -4 degrés. Ça continue ce soir. Les
étoiles, la lune seront bien visibles en Gaspésie. Un ciel dégagé vous attend. Ça va être tranquille aussi sur la péninsule acadienne, alors qu'aux îles un peu plus couvert, là, mais sinon c'est très, très bien. Toujours des mercures quand même assez variables. Il faut dire qu'on couvre très un large territoire entre moins 2 et jusqu'à moins 16 degrés, dis-je. Donc demain, ça va être très ensoleillé en Gaspésie. Il y a quelques nuages dans votre ciel en Acadie, aux îles. Bien, le soleil va se pointer aussi le bout du nez. Ça va être encore de très belles conditions et très douces, là. Alors, des mercures là, de zéro sur Murdochville et jusqu'à moins 3 degrés. Au plus long terme, maintenant, bien, il y a un système qui prendra place vendredi. Mais regardez, là, la fin de semaine sera très douce avec des moins 1 degré. Maintenant, sur Gaspé, on pourra garder nos lunettes fumées jusqu'à vendredi. On va être à la croisée là, entre le négatif et le positif avec des mercures identiques de zéro de vendredi à dimanche, alors que sur la péninsule acadienne, sous les possibilités de précipitations samedi, ce sera exceptionnellement doux également avec 1 degré. Et on termine aux îles de la Madeleine. C'est de la grisaille qui s'étire sur votre secteur. Quand même, ce sera très doux en fin de semaine. Merci. Merci à vous. Alors voilà, c'est complet. On vous souhaite de passer un bel après-midi. On vous revient pour d'autres nouvelles au bulletin de 18h. Soyez là. Au revoir.